Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhute, Kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, maha. कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया पांच तत्व की पूनी ना दस मास बुनन को लागे ना दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी चुनरिया भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरतीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे
Eh bien, dernier jour du mois des imbéciles. Eh bien, on peut penser être très futé, mais ce virus invisible nous fait tous passer pour des imbéciles. Donc, un petit poème pour vous. L'imbécile. A fool is a fool, being too full and unable to receive or perceive, and hence a fool. A fool is a fool, being too full and unable to receive or perceive, and hence a fool. To be a fool is not cool, but everybody is somebody's fool. Eh bien, tout le monde doit vivre. Il existe un mois entier dédié aux imbéciles. Il s'achève. On ferait bien de devenir intelligent, maintenant. Eh bien, comparé à la plupart des autres nations qui traversent une rude épreuve, l'Inde s'en sort bien. Même très bien, je dirais, étant donné la densité de population. Très bien, et cet assouplissement partiel va être un défi, mais les Indiens vont ressentir un manque s'il n'y a pas un certain niveau de chaos. Mais ils se sont comportés de façon si disciplinée, fantastique, la plupart d'entre eux. Bien sûr, nous avons notre part de... Mais en majeure partie, très bien. Lorsque des situations comme celle-ci, des périodes difficiles, que ce soit sous forme de catastrophes naturelles, de guerres, ou de modifications parfois du terrain ou de l'atmosphère, ou de pandémies comme celle-ci, quand elles ont lieu, c'est là que la plupart des êtres humains se sentent incompétents pour gérer les aspects simples de la vie. Cette incompétence peut devenir une... pas juste une souffrance momentanée, mais une souffrance à vie. Je vois tout un tas de gens qui ont traversé la guerre, des situations de guerre, où chaque jour, ils ont vécu avec une menace constante de mort. Ça explosait dans tous les sens autour d'eux. Les gens tombaient morts tout autour, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne nous a pas frappés. Mais au bout de 20 ans, leur réaction à certaines situations découle encore de ces souvenirs-là. Leur souvenir n'est peut-être pas conscient, mais vous savez, ils vont répondre à partir de ce genre de souvenirs en eux. Ce karma est si puissant, celui de la peur et d'une mort imminente. Et un sentiment d'impuissance absolue, un sentiment d'incompétence totale dans de telles situations. C'est ce que n'importe qui ressentirait, personne ne maîtrise ces situations. Mais le problème est que ça perdure. Très peu d'êtres humains sont capables de l'écarter. La plupart d'entre eux le portent à vie, même sans que ce soit aussi grave qu'une guerre.
quelqu'un s'est fait agresser, quelqu'un s'est fait attaquer, ou ils ont vécu un horrible accident, mais ont survécu. Quand n'importe quel type d'épreuve a lieu dans leur vie, ils ont tendance à y répondre à partir de cette expérience. Je blague, mais on a beaucoup d'amis libanais ici. S'ils se comportent de manière un peu folle, vous devez être gentil avec eux, parce qu'ils ont vécu une méchante guerre. Est-ce une personne libanaise qui rigole? Ah oui, dans ce cas, c'est bien. Dans ce cas, c'est bien, vous pouvez rire. Les autres ne peuvent pas en rire. Parce que la guerre n'est pas... Vous voyez, l'Inde a vécu quelques guerres. Eh bien, les Américains ont connu de nombreuses guerres, mais ils font toujours leurs guerres ailleurs. Pour les Indiens, la guerre a lieu aux frontières. Elle n'a pas lieu ici, dans la ville de Coimbatore. Mais je parle d'une guerre qui a lieu autour de l'endroit où vous vivez. Je crois que parmi les gens ici, ce sont principalement les Libanais qui ont vécu cette expérience. La guerre a eu lieu dans leur ville. Vous êtes assis là, chez vous, le bâtiment voisin s'effondre, juste devant vous, avec une grosse explosion. C'est quelque chose qu'ils ont vécu, et cette expérience est profondément enracinée. Donc cette situation du virus, pour ceux qui sont fortement exposés, ou qui sans cesse se nourrissent de nouvelles et d'informations, vous le vivez en quelque sorte dans votre mental, peu importe comment ça a lieu. Cela ne devrait pas vous endommager durablement. Ça devrait au contraire vous rendre plus fort. Car il est aussi vrai qu'un grand nombre de personnes qui ont été dans des batailles avec une mort imminente leur planant sans cesse au-dessus de la tête, parmi les situations que peuvent traverser les êtres humains, une bataille est la situation la plus extrême. Se trouvant dans cette situation-là, un grand nombre de gens en sortent terrorisés et blessés à vie. Mais beaucoup d'autres en sortent très forts, stables et équilibrés et emplis de sagesse. Les gens qui ont vécu des guerres en sortent aussi comme ça. Donc c'est important, quand des périodes difficiles se présentent, la façon dont nous sommes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne traverse une période difficile sans effort? Qu'est-ce qui fait que la même situation écrase une autre personne? Je ne parle pas de dommages physiques. Eh bien, si le virus me frappe ou vous et qu'autre chose a lieu, c'est autre chose. Mais qu'arrive-t-il mentalement, psychologiquement, émotionnellement? L'une des dimensions de cela, c'est... Je n'aborde qu'une seule dimension. Parce qu'il y a des gens... Mais qu'en est-il de ceci, de cela? On ne va pas aborder ça aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour du mois des imbéciles. On ne va traiter qu'une seule dimension, parce que c'est le seul problème de la vie, essentiellement. Les gens n'apprennent pas à gérer un aspect de la vie comme il faut, mais ils savent un peu de tout. Ils lisent les écritures, ils lisent les journaux, et bien sûr les réseaux sociaux. Ils savent quelque chose sur tout, mais ils ne savent pas gérer un seul aspect simple d'eux-mêmes. S'ils savaient manier leur corps, ils géreraient celui-ci d'une certaine façon. Ce serait votre karma yoga. Si vous saviez utiliser votre corps pour gérer les situations difficiles, ce serait une façon. Si vous saviez utiliser votre intellect dans une situation difficile, ce serait une autre façon. Si vous saviez utiliser vos émotions, ce serait une autre manière. Si vous saviez utiliser vos énergies, ce serait une toute autre dimension. Ils n'apprennent aucune façon. Ils en savent un peu sur tout. Aujourd'hui, en particulier dans cette période difficile, chaque... Je ne dis pas ça avec un manque de respect, mais c'est à la fois amusant et désolant de voir
qu'à peu près partout et n'importe où, tout le monde propage sa propre méditation. Écoutez le son de l'eau et vous méditez. Écoutez la brise et vous méditez. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Tout ce que je dis, c'est que tout ceci devient méditation. Pour le dire autrement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est quelque chose que tout le monde a le pouvoir de faire. Mais la plupart des gens ne s'en servent pas. Il y a quelque chose qu'on appelle votre processus mental, qui pour la plupart des gens est toujours hyperactif ou hors de contrôle. C'est une dimension d'activité en vous qui peut vous apporter la compréhension. La compréhension n'est pas une force suprême, car la compréhension a lieu à partir d'une quantité limitée de données dont on dispose. C'est la raison pour laquelle notre compréhension du virus change chaque jour, parce que un peu plus de données arrivent, un peu plus de données arrivent, chaque jour notre compréhension évolue. Eh bien, tel a été le parcours du processus scientifique tout entier. Plus d'informations arrivent, notre compréhension évolue, plus d'informations arrivent, notre compréhension évolue. C'est ainsi depuis plus de 100 ans. Donc la compréhension n'est pas un processus ultime, mais comprendre, si vous comprenez quelque chose, malgré son potentiel limité, même si votre compréhension est limitée, d'une certaine façon, vous avez craqué quelque chose. Vous avez craqué l'un des aspects. Vous avez compris ce qu'il faut pour bien faire pousser cet arbre. Ça ne veut pas dire que vous avez tout compris au sujet de cette planète. C'est juste que vous avez compris comment bien faire pousser cet arbre. Donc vous êtes un planteur de cocotiers à succès. Et votre vie devient confortable, parce que vous avez compris ce qu'il faut pour qu'un cocotier pousse au mieux. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'en avez aucune idée, vous vous baladez sous les cocotiers tout le temps, mais vous n'avez probablement jamais levé la tête. Vous ne vous êtes pas non plus assis sous un cocotier pour méditer, vous devez essayer. Ça donne un tas de possibilités d'éveil. Oui, parce que chaque arbre a au minimum 60 à 70 noix, donc noix et noix, elles pourraient fusionner. Mais ceux qui sont là-dedans, peut-être que beaucoup d'entre eux ne le savent pas non plus. Par exemple, tout le monde pense que Kerala rime avec noix de coco, parce qu'ils ont vu les brochures pour touristes, des cocotiers. Mais oui, il y a des cocotiers. Ils poussent dans le sable, sur les plages, et les gens en ont aussi fait des plantations. Mais en moyenne, aujourd'hui, ces moyennes ont peut-être un peu changé, je parle d'une autre époque. En moyenne, un cocotier au Kerala donne environ 60 à 70 noix par an. Un cocotier au Tamil Nadu donne environ 80 à 100 noix. Cette moyenne du Tamil Nadu, je sais qu'elle a augmenté aujourd'hui. Un cocotier au Karnataka donne environ 180 à 200 ou 225 noix en fonction du planteur. Un cocotier au Bengale donne jusqu'à 225 ou 250 noix. Ce ne sont pas des espèces différentes, c'est simplement une compréhension différente. Donc ce que je dis, c'est que de même, si vous êtes une noix, pardon, si vous êtes un cocotier, le rendement de celui-ci dépend d'une certaine compréhension de la façon dont il fonctionne. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne craquez pas cela en vous, voilà ce qui fait qu'il marche, alors c'est un arbre à faible rendement. Donc quand des périodes difficiles surviennent, celui-ci va se sentir terriblement incompétent. Quand tout est confortable, vous pouvez vous pavaner, comme, vous savez, comme le roi de la jungle se pavane.
Mais dans les périodes difficiles, les choses se remettent en place. Ça arrive toujours. Dans beaucoup de pays, tout au long de l'histoire, c'est arrivé. Quand des situations vraiment difficiles arrivent, l'équipe dirigeante change juste comme ça, sans même qu'un mot soit prononcé, simplement parce que ceux qui sont en place du fait de la sélection sociale vont couler, ceux qui sont compétents vont s'élever. Quand les choses sont confortables, les gens ou la société ne vont pas permettre une telle chose, car simplement parce que leur place leur est réservée, beaucoup de gens deviennent dirigeants. Mais quand des périodes difficiles arrivent, la compétence est la seule chose qui fera s'élever les gens. Ceux qui sont là parce que leur place est réservée vont naturellement couler. Donc, qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire en vous-même? Une chose importante, c'est chaque fois que vous n'arrivez pas à comprendre la nature de quelque chose, en ce moment, on ne sait pas exactement ce qu'est ce virus. Des bribes d'informations nous parviennent. Au départ, on pensait qu'on ne ferait que tousser, tout sèche seulement. Si vous avez un peu de mucus, ce n'est pas ça. Ensuite, ils ont dit, non, vous pourriez éternuer, ça veut dire que ça va sortir. Ensuite, ils ont dit, vous pourriez ne pas tousser, ni éternuer, ni rien, mais quand même l'avoir. Maintenant, ils disent, votre foie pourrait être affecté, votre cœur pourrait être affecté, votre cerveau pourrait être affecté. Ça, c'est s'il est encore intact. Ensuite, ils ont dit, seuls les bébés de moins d'un an, et les gens âgés seront affectés. La jeunesse n'a pas de souci à se faire. Puis ils ont dit non, la jeunesse doit aussi faire attention. Vous l'avez attrapé si vous avez fait ceci, ceci et ceci, ou ceci, ceci, ceci et ceci recouvre la quasi-totalité de la vie. Puis ils ont dit non, les enfants, pas de problème. Les enfants sont immunisés. Mais maintenant, ils disent, les enfants développent des symptômes tout à fait différents de ceux que les adultes développent. Ce n'est pas encore complètement confirmé, mais beaucoup de scientifiques dans le monde commencent à parler du syndrome Kawasaki, qui cause certains troubles digestifs et gastriques, et qui peut être grave et qui peut causer des inflammations au cœur. Ceci arrive à des tas d'enfants. Et ils suspectent que c'est à cause de ce virus que ça a lieu. Et ainsi de suite, notre compréhension avance morceau par morceau. Donc essentiellement, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de vue d'ensemble. Donc définitivement, c'est un moment où vous pouvez paniquer, ou déprimer, ou être abattu, ou être terrifié, ou pétrifié, ou d'une certaine manière, vous écrouler en vous-même. C'est un moment où vous devez étinceler avec un maximum d'énergie. Vous ne pouvez pas approfondir votre compréhension parce que il n'y a que telle quantité d'informations. À moins que vous ne soyez un scientifique et vous explorez ce processus en profondeur, uniquement ce qui est diffusé sur les chaînes d'information, les réseaux sociaux ou les journaux, vous n'avez que ces informations. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de clowns qui prolongent le mois d'avril 12 mois par an, qui prennent toujours plaisir à diffuser toutes les fausses informations. Ils prennent beaucoup de plaisir à tromper les gens. Il y en a comme ça. Donc, définitivement, pas juste vous et moi, même ceux qui sont sur le coup, à étudier, eux non plus n'ont pas une vue d'ensemble. Ils avaient dit, c'est un virus. Maintenant, ils disent qu'il y a 10 variétés. Maintenant, vous vous battez contre un Ravana. Donc, quand une chose n'est pas comprise, et qu'il n'est pas possible de la comprendre mieux qu'un autre, oui, avec les mêmes données, certains peuvent avoir une compréhension un peu meilleure que les autres, mais il n'y a tout de même pas moyen d'étendre votre compréhension au-delà de ça, parce que les données sont limitées.
Une chose qui doit se passer en vous, c'est que vous devez déborder d'énergie. Si vous débordez d'une énergie effervescente en vous, alors, même si vous n'avez pas de compréhension intellectuelle, votre système, et même vous-même, même dans vos actions conscientes, vous ferez tout ce qu'il faut sans même savoir pourquoi vous le faites. Parce que, de même que votre cerveau ou votre intellect est intelligent, le corps aussi est intelligent, chaque cellule du corps est intelligente. Vos énergies le sont aussi, vos émotions le sont aussi, elles ont leur propre niveau d'intelligence. Et l'énergie est l'intelligence fondamentale, elle est à l'origine de tout ce qui se passe. Si vous la maintenez à un certain niveau de flottabilité et d'effervescence, alors, vous n'avez aucune chance de ne pas faire ce qu'il faut. Quand je dis ne pas faire ce qu'il faut, ce n'est pas à propos du virus, c'est à propos de vous. Je suis sûr que vous n'êtes pas intéressé par le virus, ou que vous n'êtes pas un étudiant en virologie qui veut connaître tous les virus de l'univers. Ça ne vous intéresse que parce que ça pourrait vous affecter. Donc, c'est ceci qui vous intéresse. Comme c'est ceci qui vous intéresse, étant donné que l'aspect fondamental de votre vie sont les énergies vitales, si vous les enflammez fortement, alors, vous verrez que le système fonctionnera d'une certaine façon. Sans même y penser, vous ferez ce qu'il faut pour votre système. Quand vous ferez ce qu'il faut pour votre système, vous ferez ce qu'il faut dans l'atmosphère environnante aussi. Mais si vous ne faites que vous appuyer sur des données à un moment comme celui-ci, comme de toute façon nos données sont limitées, ceci est arrivé. À une époque, Shankaran Pillai était un parent seul. Il avait un petit bébé et sa femme. Et il devient très inquiet parce que son enfant perd du poids. Alors, il emmène l'enfant chez le médecin et lui dit, « Docteur, mon enfant perd beaucoup de poids, jour après jour, il perd du poids. Je lui donne assez de soleil, d'air, d'eau. » Le médecin lui demande, « Mais quelle sorte de nourriture lui donnez-vous ? Oh mon Dieu, je savais qu'il manquait un truc. » Nous manquons beaucoup de choses en ce moment parce qu'on n'a pas assez d'informations. Donc, le mieux que l'on puisse faire, c'est de veiller à ce que nos énergies restent effervescentes. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui avez investi un certain temps dans votre sadhana, ce sera facile. Mais pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait, qui ne veulent devenir meilleurs que lorsque vous faites face à des situations difficiles, pour vous aussi, il y a une méthode. Je pense que Sima Kriya est sortie sous la forme d'une app, n'est-ce pas? Où est-elle? Dans une vidéo, Sadhguru. Où ça? Sur YouTube. Ok, elle est sur YouTube. Elle s'appelle Sima Kriya. Ceux d'entre vous qui n'ont aucune pratique à faire, c'est-à-dire aucune pratique yogique qui concerne vos énergies, au moins 3 à 5 fois par jour, faites-la. Vous verrez que vos énergies vitales seront effervescentes. Quand votre intellect ne peut pas fonctionner parce que votre intellect ne peut pas fonctionner sans les informations requises, et en ce moment, il n'y a pas les informations requises, quand il n'y a pas les informations requises, l'intellect se sent impuissant. Quand il se sent impuissant, il va déclencher des émotions de dépression, de détresse, des réactions de panique aux choses. Si vous voulez stopper ça, la chose la plus importante est de maintenir vos énergies à un niveau effervescent. On peut utiliser... C'est peut-être difficile de vous l'enseigner juste comme ça, en quelques minutes, mais... Dès maintenant, ça, vous pouvez le faire, pas seulement maintenant, mais plus tard aussi, vous pouvez utiliser ceci dans votre vie. Voyez, le son... Là, tout de suite, le son, ma voix est le son, la musique est le son, les oiseaux font des sons. Quand un processus intellectuel qui craque quelque chose de très petit, disons que vous avez compris pourquoi
la mangue tombe. Vous savez, ça a été une grande découverte, d'accord? Mais bien des siècles après qu'Isaac Newton l'ait vu, vous l'avez vu aujourd'hui, et même vous avez compris pourquoi la mangue tombe. Bien que ce soit un fruit tellement divin, elle ne va pas vers le ciel, elle tombe. Si vous comprenez cela, à ce moment-là, si vous avez un son clé que vous pouvez utiliser, si ce son et une certaine dimension du processus intellectuel s'unissent, il y aura une flambée d'énergie, toujours. C'est pourquoi dans cette culture, nous avons développé ce processus. Si vous vous asseyez, vous dites Shiva, si vous vous levez, vous dites Shiva, vous voyez quelque chose de bien, vous dites Shiva, quelque chose de mal, vous dites Shiva. L'idée, c'est que quand un certain processus a lieu en vous, intellectuellement et émotionnellement, si vous lui ajoutez le bon son, il y aura une flambée d'énergie dans le système. Donc avec une série de bangs comme ça, vous devenez un processus très créatif. Vous savez que la création a eu lieu comme ça. Des Big Bang. Donc si sans cesse vous créez bang, bang, bang en vous, votre capacité à créer, être un être humain créatif dans toutes les petites choses que vous faites, va devenir une réalité vécue pour vous. Donc, le mieux si on est initié à un son puissant, c'est de simplement prononcer ce son. Ça n'a pas besoin d'être pour tout le monde, vous n'avez pas à le dire fort, ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas une sorte de campagne religieuse ou autre que vous devez dire à tout le monde. C'est comme, il y a certains, si vous répondez au téléphone, Hariom, ou bien Om Namah Shivaya, ou l'un va dire Allahu Akbar, et l'autre Jai Sri Ram. C'est de la propagation, c'est leur choix. Je ne parle pas de propager quoi que ce soit, je parle d'utiliser un son puissant pour fusionner avec un certain processus intellectuel ou un certain processus émotionnel, ou même un processus physique, quelque chose comme s'asseoir, se lever. Il y a tout un changement dans le système. Vous vous asseyez, comment ce système fonctionne, pas juste physiologiquement, au niveau de la chimie, au niveau de l'énergie, comment il fonctionne, et si vous vous levez, comment il va fonctionner. C'est complètement différent. Donc quand un tel changement a lieu, vous dites un puissant mot consacré en vous. Il va y avoir une explosion d'énergie. Cette série d'explosions, si vous en créez tout au long de la journée, votre capacité à créer deviendra importante et vous n'aurez pas à prolonger le mois d'avril, 12 mois par an. Cette question est de Vassini. Si on a une profonde aspiration au vide, et que l'on fait toutes les sadhanas, et que l'on devient plus vide chaque jour, mais que l'expérience ne s'est toujours pas produite. Qu'est-ce qu'on doit faire, Sadhguru? Le vide n'arrive pas par étapes. Parce que vide signifie ce qui n'est pas. Pourquoi le vide? C'est que le plein, ça n'existe pas, c'est juste un mot. Si vous regardez vraiment ça, disons, je vais mettre $1 milliard dans votre poche. Non, je ne compte pas faire ça, je lève des fonds en ce moment, d'accord? Supposez, juste pour vous titiller, que je mette $1 milliard dans votre poche. Elle vous paraît bien pleine pendant une journée, mais ensuite, vous la voyez, elle, marcher avec $10 milliards. Oui, vous les avez? Alors soudain, votre poche vous paraît vide avec $1 milliard. Ensuite, disons qu'on vous en ajoute 9 de plus. Vous avez $10 milliards. Puis il marche avec $100 milliards. Soudain, elle vous semble à nouveau vide. Donc votre poche ne peut jamais être pleine, peu importe combien on y met. Prenons votre tête. Lorsque vous avez réussi votre CP, vous vous êtes dit, quoi de plus? Qu'y a-t-il de plus à savoir dans ce monde?
Vous savez. Ensuite, ils vous ont dit qu'il y a un satané CE2. Et vous avez continué, continué, et puis ils vous ont dit, en terminale, il y a le bac. Ça y est, si tu réussis ça, vos parents n'ont pas arrêté de vous dire, c'est l'aspect clé de ta vie. La terminale est vraiment cruciale. Vous y avez cru. Et vous passez votre terminale, et vous avez envie de bomber le torse, et vous pensez que vous avez fait le tour. Et puis dès le lendemain, ils se mettent à vous embêter. Quelle université vas-tu choisir? Quelle université vas-tu choisir? Quoi? Une université? Je croyais que j'ai atteint la terminale. Terminé? Terminé n'est pas suffisant. Et ainsi de suite à chaque étape. Donc, on peut vous fourrer la tête autant qu'on veut. Votre tête ne deviendra jamais pleine. Eh bien, au départ, vous n'êtes tombé amoureux que d'une seule personne. Ensuite, quand vous tombez amoureux d'une personne, vous savez, elle en produit une ou deux ou trois. Ensuite, vous êtes tombé amoureux de chacun d'entre eux. Mais ensuite, ils ont produit des petits-enfants comme ça. Eux aussi, vous les avez aimés, à vrai dire, plus que celui-ci. Donc votre cœur non plus ne peut pas devenir plein. Vous procédez par étapes constipées, c'est autre chose. Si vous tombez amoureux de tout dans l'univers, il n'est toujours pas plein, il est encore capable d'en prendre plus. Donc votre poche ne peut pas devenir pleine, votre tête ne peut pas devenir pleine, votre cœur ne peut pas devenir plein. Donc la plénitude est une illusion que vous poursuivez. Une telle chose n'existe pas. Mais le vide est possible. Ce qui est vide n'est jamais partiellement vide. La plénitude est toujours partielle. Le vide est toujours total. Quand quelque chose est vide, c'est absolument vide. Donc ne faites pas cela par étapes. Si vous essayez de faire cela par étapes, alors vous n'attraperez jamais le vide, parce que vous ne pouvez pas attraper le vide. Ceci est arrivé un jour. Une dame avait une voisine, une autre dame du quartier qui a à peu près le même âge qu'elle. Toutes les deux ont des enfants. Alors bien sûr, elle voulait vous savez, se vanter un peu. Elle dit, nous avons acheté quelques litres d'huile d'olive et nous avons trempé notre bébé dans cette huile d'olive. Puis l'autre dame demande, vraiment, ça doit être très cher, mais la qualité de sa peau doit avoir vraiment changé. Puis l'homme de la maison en sort et dit, ça je ne sais pas, on n'a toujours pas réussi à l'attraper jusqu'à présent. Alors n'essayez pas d'attraper le vide. Vous ne pouvez pas attraper le vide. Ce n'est nulle part. Mais c'est total. Donc qu'est-ce que je fais? Comment me vider? Vous comprenez cela. Si je prends un seau, je peux le vider tasse par tasse. Si je prends un puits, je peux, vous savez, utiliser des seaux et des seaux et des seaux et le vider. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devenez vide, non pas parce que vous n'avez rien. Vous devenez vide parce que vous êtes dépossédé. Vous n'êtes pas possédé par les choses que vous portez. En ce moment, vous êtes possédé. Votre argent, votre maison, vos relations, votre Dieu, votre religion, vos philosophies, vos amours, tout et n'importe quoi, tout vous possède. Lorsque vous êtes dépossédé, vous êtes vide. Donc c'est le but, lorsque on s'assoit, les yeux fermés, pas prier quelqu'un, pas appeler un dieu, pas autre chose, simplement isolé, confiné. C'est, vous savez, partout dans le monde, les gouvernements vous initient maintenant à un processus spirituel.
afin que vous ne soyez pas possédé par ce qui vous entoure, vous êtes simplement tout seul. Mais bien sûr, beaucoup d'entre vous se comportent comme si vous étiez possédé. Quand vous êtes dépossédé, vous êtes vide. Autrement, vous allez continuer indéfiniment. Ce que je dis, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Vous regardez quelques friandises que vous avez rassemblées dans votre vie. Oui, c'est tout ce que vous avez rassemblé. Et vous pensez, si j'en laisse tomber une, je vais devenir vide. D'accord, j'en laisse tomber une de plus, je vais devenir vide. Les gens vont à Kashi. C'est une tradition. Autrefois, ils disaient, en allant à Kashi, vous devez devenir dépossédé. Il n'y a rien de plus. Chaque jour, vous voyez des centaines de corps brûlés là. Vous restez assis là quelques jours ou quelques mois. En revenant, vous êtes dépossédé. Vous n'êtes englué dans rien. Puis les gens en ont un peu rajouté. Vous devez laisser de l'argent avant de revenir. Vous devez laisser telle chose avant de revenir. Ces jours-ci, ils n'y laissent que de la courge amère. La courge amère. De toute façon, ils ne la mangeaient pas. Donc, c'est ça qu'il laisse. Vous devez y laisser quelque chose avant de revenir. Donc, j'ai laissé de la courge amère parce que je n'aime pas ça de toute façon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que vous visez la mauvaise cible. Même si vous lui tirez dessus, elle ne va pas s'en aller. Ceci est arrivé. Un jour, Shankaran Pillai vient de se marier. Donc il veille bien à qu'en rentrant de son bureau, il s'arrête toujours dans un restaurant et s'assure de manger raisonnablement bien et ensuite il rentre chez lui. Parce que la maison est encore au stade expérimental. Alors il arrive et sa femme est... Dès qu'il rentre, elle ouvre la porte, le serre dans ses bras et pleure amèrement. Il demande « Que s'est-il passé ?» Elle dit « Juste pour toi, depuis ce matin, je suis sur Internet à suivre les instructions d'un, vous savez, chef cuisinier, et j'ai fait un biryani au poulet pour toi. Je crois l'avoir bien réussi, mais le chien, notre chien, l'a mangé. Je suis juste allé prendre une douche, le temps que j'en sorte, notre chien l'avait mangé. » Shankaran Pillai dit, « Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, j'achèterai un nouveau chien. » Donc, comment s'appelle-t-elle? Vasini. 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 Si vous voulez devenir vide, ce qu'il faut, c'est être dépossédé. Il y a des méthodes pour cela, pour y arriver. N'essayez pas de vider les choses une par une, ça va prendre... Même si vous y passez un million d'années, vous trouverez toujours quelque chose de nouveau, parce que comment vous les collectez, vous ne le saurez jamais. Vous pouvez vous débarrasser de ceci, vous pouvez vous débarrasser de cela, mais vous continuez à accumuler d'autres genres de choses. Donc ne vous y prenez pas comme ça, il y a des méthodes appropriées. Vous devriez être initié à quelque chose qui va fonctionner. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans le cadre du travail qui est en cours dans les villages, nos bénévoles font un travail fantastique. Et je vois que les responsables locaux, la police et les villages, les agriculteurs, tout le monde apprécie énormément les bénévoles d'Isha avec la discipline et l'engagement et l'attention et la compétence avec lesquelles ils font ce qu'ils font. C'est immensément apprécié. La chose la plus importante, c'est que plus de 260 agriculteurs se sont joints au mouvement maintenant et eux aussi travaillent avec nous en fournissant des légumes gratuits, des intrants gratuits, et ainsi de suite. Mais en même temps, maintenant que c'est devenu un succès, maintenant, beaucoup, beaucoup de gens, des travailleurs migrants qui sont coincés dans divers autres endroits, ils arrivent tous ici maintenant parce que la nourriture est bonne, ils sont bien pris en charge, et il y a aussi des lits d'urgence en cas d'infection et de choses comme ça, donc beaucoup d'entre eux arrivent. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous... À partir d'aujourd'hui ou de demain, nous servons quotidiennement de la nourriture à plus de 12 000 personnes.
Donc, comme d'habitude, je demande plus d'argent. Et le tableau a été mis aux enchères. J'imagine que vous êtes tous au courant. Quel est le dernier chiffre? 330 000 euros. Ok, c'est... Donc, c'est très généreux de leur part. Ils ne paient pas pour l'œuvre d'art. Ils payent pour la campagne « Battre le virus » menée par nos bénévoles. Je n'imagine pas un seul instant qu'ils payent pour l'œuvre d'art et j'apprécie vraiment votre générosité. On en est à 330 pour le moment. Il reste encore quelques heures, environ 4 heures, je crois. 5 heures. 4 heures et quelques. D'accord, il reste environ 5 heures, c'est-à-dire jusqu'à minuit, quel que soit le montant atteint. Vous aiderez nos bénévoles à servir mieux et plus de monde. Malheureusement, dans les zones rouges, le confinement va très probablement être prolongé au-delà du 3 mai, au moins jusqu'au 15 probablement, ou peut-être la fin du mois. Et le district de Coimbatore est en ce moment en zone rouge, donc nous allons peut-être devoir continuer ça pendant les 2 à 3 prochains mois, probablement, cette distribution de nourriture. Même si le confinement est levé, avant qu'ils ne trouvent un emploi et puissent être autonomes, ça pourrait prendre entre 60 et 90 jours. Donc, nous avons besoin de votre soutien, merci beaucoup. Et quiconque a fait une offre à 330, merci beaucoup. Et tous ceux qui ont permis à ce montant d'être atteint, et ceux d'entre vous qui vont le faire monter encore bien plus ces 5 prochaines heures, merci beaucoup.